La Paris Games Week 2015, c'était aussi l'occasion de retrouver la série Dark Souls qui arrive pour son troisième opus en avril 2016 et donc de s'y essayer pour la première fois. Pour ma part, je n'ai joué qu'à Demon's Souls et à Bloodborne. Bon, Bloodborne n'est pas un Souls, mais il se rapproche quand même de la série. Donc c'est la première fois que je joue vraiment à un Dark Souls, mais j'en connais quand même le gameplay. Donc j'étais vraiment très intéressé de voir ce que ça donnait, et surtout que le jeu est réputé pour ressembler davantage à Bloodborne qu'à Dark Souls habituellement. Dark Souls 3, alors c'est forcément un jeu qui me hype énormément, puisque j'ai adoré Demon's Souls, alors j'ai pas encore fait Dark Souls, même si c'est pour très bientôt. Finalement, la démo ressemblait beaucoup à Demon's Souls, en fait. Alors finalement, en fait, ça m'a saoulé. Je me suis posé une question, je me suis dit, j'ai hâte de savoir quelles sont vraiment les différences entre Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, et là maintenant Dark Souls 3, parce que finalement Dark Souls 3 m'a semblé tellement similaire à Demon's Souls que je me dis que c'est peut-être juste un kiff, c'est juste le même gameplay, mais avec vraiment des univers qui sont différents, puisque Demon's Souls devait beaucoup à son univers. Ça se différenciait pas de ce que je connaissais, bizarrement. Je connaissais Demon's Souls, je connaissais Bloodborne, donc j'ai pris les manettes en main, je savais directement à quoi je jouais, ça ressemblait beaucoup. Mais pour autant, c'était tout de suite extrêmement fun, extrêmement plaisant. Le gameplay est assez vif et ressemble effectivement un peu à celui de Bloodborne, mais reprend aussi beaucoup d'éléments des Souls, évidemment, notamment rien qu'avec le bouclier. Mais j'ai trouvé les esquives vraiment très très rapides, plus rapides que Demon's Souls. Je sais que les Dark Souls ont des esquives encore plus rapides et que c'était un peu 50-50 entre le bouclier et les esquives, alors que Bloodborne c'est uniquement les esquives et que Demon's Souls c'est presque uniquement le bouclier. VGM ne sera pas d'accord avec moi parce que tu utilises autant d'esquives, mais celles-ci, en tout cas dans Dark Souls 3, sont vraiment très très rapides. Là vraiment, ça se joue, pareil quoi, bouclier, esquive, soin. Vraiment le gameplay est identique. Après au niveau de la DA, le niveau dans le château c'était un niveau dans un château, c'était assez sympa. Dans la direction artistique, ça ressemble vraiment à un mix entre les Souls et les Bloodborne, donc ça reste assez médiéval, très médiéval, mais dans les couleurs, notamment dans la teinte orangée dans les décors, ça ressemble vraiment à beaucoup de niveaux de Bloodborne, effectivement. Pour autant, c'est beaucoup moins organique, c'est beaucoup moins gothique. Je pense que ce qui fait que les fans adorent Dark Souls et aiment moins Dark Souls 2, de toute façon, ça peut pas se jouer sur un niveau. Donc en fait, ce qu'on a vu de Dark Souls 3 dans les trailers et tout, ça me hype énormément. Ça a l'air trop bien, l'univers a l'air trop fat. Donc c'est toujours aussi cool à jouer, mais c'est très difficile de juger de la qualité du jeu, vu que la qualité d'un Souls, ça se mesure énormément à son univers, et que là, l'univers a un tout petit aperçu. C'est du château assez classique, bon, voilà. On remarque tout de suite de nombreuses bonnes idées dans la direction artistique. J'ai l'impression que l'univers est un peu plus étayé, en tout cas, dans la démo qui était présentée. On avait beaucoup de tranches de l'univers, par exemple, comme des monstres qui s'agenouillaient, qui semblaient prier. Ça donne envie de s'intéresser vraiment à l'univers, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé en termes de storytelling qui passe par l'univers et non pas par des cinématiques. La démo n'était pas très difficile jusqu'au boss, du moins. Le boss, malheureusement, je n'ai pas pu m'y essayer parce que vu que j'ai joué en fin de journée, malheureusement, on m'a fait sortir avant que j'arrive au boss. Mais notre ami Licky Lustod, qui est un grand connaisseur de la série, s'est retrouvé de nombreuses fois bloqué contre le boss, ce qui montre que celui-ci est quand même assez difficile. Alors que le niveau, lui, se parcourait plus tranquillement quand on savait jouer à la série. Le boss que j'ai pas pu affronter personnellement, mais qu'on voyait tourner sur les écrans, elle était grave stylée dans son design, donc ça promet. Les ennemis font bien mal, c'est bien un Souls. Il y a pas énormément de choses à en dire, en fait, finalement. Là, comme ça semble très similaire au précédent. Ça me fait envie. Les deux premiers passeront avant, ça me fait vraiment envie. Je pense que ça va clairement être un bon jeu. Après, est-ce que ça sera un bon Souls? Je pense que c'est vraiment trop tôt pour le dire. Et c'est surtout impossible de juger ça sur un salon, donc on verra bien. En tout cas, il y a bien l'âme Souls. En tout cas, c'est vraiment un jeu qui a l'air vraiment très plaisant. Pas forcément très différent des précédents, en incluant Bloodborne dans les précédents, bien sûr. Ça a l'air vraiment bien. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Je pense que ce sera une valeur sûre.